Bonjour à tous, c'est Nathalie. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette cinquième partie de Quilt Mystère de Quilt Mania. Alors cette fois-ci, nous allons terminer la broderie des blocs fleuris et préparer 8 grands blocs sabliers rebrodés au point d'arête avec les nouveaux tissus et le coton perlé 8 que les boutiques participantes vous auront remis. Dans vos kits, il y a 7 nouveaux tissus, dont le gris numéro 18 qui resservira partie 6. Dans tous ces tissus, vous aurez besoin de 32 triangles. Il faudra donc en couper 8 dans un des tissus. Vous pouvez choisir n'importe lequel, mais vous avez deux gris. Les autres teintes sont assez proches également. C'est le rose qui ressort un peu du lot et qu'il sera intéressant de doubler. Après, vous avez plusieurs options. Vous cousez à la main avec les gabarits de Quilt Mania en ajoutant votre marge de couture préférée. Option 2, vous cousez toujours à la main, mais en coupant vos triangles dans des carrés surdimensionnés de 8 pouces et demi. Donc quand vous tracerez votre triangle sur le tissu, vous laisserez la marge de couture côté angle droit. 0,75 mm ou 1/4 de pouce, ils se trouveront là et donc le surplus se trouvera sur le côté extérieur du sablier. Et cela vous permettra d'être un peu plus à l'aise pour la broderie. Option 3. Vous cousez à la machine avec la technique rapide habituelle à partir de 14 carrés de 8 pouces et demi. Donc vous tracez la diagonale, vous cousez de part et d'autre de ce trait et ensuite vous coupez sur le trait, etc. Dans ce cas, vous choisissez parmi les blocs en double ceux qui vous plaisent le mieux et vous faites un joli coussin sorti au quilt avec ceux qui restent. Et enfin, la dernière option, c'est ce que j'ai choisi. J'ai coupé 8 carrés de 8 pouces et demi, dont 2 dans le tissu rose. Je les ai recoupés sur les deux diagonales sans les déplacer entre les deux coupes. Et quand j'ai eu mes 32 triangles coupés, j'ai composé 8 blocs en utilisant à chaque fois 2 tissus différents que j'ai assemblé et que j'ai repassé ensuite. Ensuite, à l'aide d'une règle carrée, vous tracez un carré de 7 pouces à l'endroit du tissu. C'est la mesure finie du bloc et ce carré doit être centré, c'est-à-dire que vous allez mesurer 3 pouces et demi à partir des milieux. Puis, vous allez broder les coutures au point d'arête avec le coton perlé 8 445 et une aiguille à broder numéro 5. C'est la deuxième plus grosse du paquet, celle qui se trouve de part et d'autre de la numéro 3 qui est au centre. Alors, je n'ai pas prévu de toile à beurre pour cette broderie. Je pense que la marge de couture apporte un maintien suffisant. Pour le point d'arête, vous pouvez broder un peu dans tous les sens. Vous pouvez démarrer, par exemple ici, aller jusqu'au bout. La deuxième ligne, vous la démarrez là, vous interrompez, vous reprenez ici ou alors vous reprenez ici. Vous pouvez également broder 4 parties en démarrant à chaque fois les extrémités et que ça se rejoigne au milieu. Observez les photos et puis faites un peu comme ça vient. Ce n'est pas la peine de trop réfléchir à cette question. Lorsque la broderie est faite, repassez-la à l'envers. De préférence sur une petite serviette éponge pour éviter d'écraser la broderie et vous laissez en attente jusqu'à la partie 6. Et si vous préférez, vous pouvez aussi rebroder ces coutures après avoir assemblé les blocs de la partie 6. Moi, il y en a que j'ai brodé avant et d'autres après avoir fait le montage. Donc c'est vous qui choisissez. Le point d'arête se brode de haut en bas. Vous sortez l'aiguille à gauche. Vous repiquez en face à droite et vous ressortez l'aiguille sur le tracé, donc sur la couture. Ensuite, vous faites une petite queue. Vous sortez l'aiguille à gauche. Vous repiquez en face à droite. Et vous faites une petite queue. Les trois segments sont de longueur à peu près égale. N'essayez pas d'être régulière, observez, moi je m'efforce à l'irrégularité, je trouve que le résultat est plus vivant, mais c'est un peu plus difficile qu'il n'y paraît. Donc on sort à gauche, on repique en face à droite et on ressort au bout de la petite queue, on tire le fil
on repique et on ressort. C'est un point qui est agréable à exécuter parce qu'on brode toujours à sa main. Donc ça va assez vite et je l'aime beaucoup. L'ombellifère. Donc pour broder cet ombellifère, vous allez prendre vos trois coloris de fil bleu et choisir une combinaison de deux coloris différents. Donc vous alternez deux brins de 932 avec un brin de 775. Vous pouvez faire l'inverse ou alors deux brins de 597 avec un de 932 ou un de 775. Vous alternez chaque fois que vous changez d'aiguillé, vous choisissez une autre combinaison de coloris. Vous allez couper pour chaque coloris une longueur de fil identique à l'autre pour que vous puissiez les assembler et que tout ait la même longueur. Vous séparez vos brins comme je vous ai appris. Et ensuite, là, c'est vraiment très important de bien préparer votre aiguillée en la lissant. Donc, vous pincez et vous tirez et vous faites ça 10-20 fois jusqu'à ce que vous sentiez que votre aiguillée, les trois brins sont bien lisses et voilà, glissent bien entre vos doigts. Ensuite, vous les mettez à double, on brode avec 6 brins et on commence. Vous repérez une petite fleur, il y a à chaque fois 4 pétales. Vous sortez à l'extérieur et vous repiquez vers le centre. Et pour chaque pétale, vous allez faire 2 points. Donc vous sortez, vous écartez un tout petit peu les deux points et vous repiquez dans le même trou au centre. Ces points sont vraiment très petits. Et si vous avez bien préparé votre fil, vous n'aurez pas de problème, tout va bien glisser. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur, vous pouvez guider la mèche de fil quand vous la repassez au dos. Voilà, donc vous brodez tous les petits pétales de la même façon. Quand vous avez... donc, lorsque tous vos pétales sont brodés, vous prenez un brin double du jaune 742, vous ressortez l'aiguille au centre et vous brodez un point de nœud en tournant une ou deux fois l'aiguille, le fil autour de l'aiguille. Et exceptionnellement, pour que le nœud soit un peu plus gros, vous pouvez prendre une aiguille à broder numéro 7 au lieu de la 9 que vous utilisez habituellement avec un brin de moulinet en double. Voici une ombellifère brodée avec une combinaison de 597 et 932. Et ici, 932 et 775. En voici encore une autre. Et une troisième. Le lilas, ou quelques fleurs en grappe que ça puisse être, je ne vois pas trop ce que c'est. Alors, soit vous le laissez tel quel et vous brodez juste un petit point de nœud au centre de la fleur avec un brin en double du coloris 742. Soit vous prenez une mèche composée de deux brins du coloris 3688 et auquel vous rajoutez soit un brin du 3824, soit un brin du 3687. Donc vous faites une mèche, vous la doublez, vous la préparez comme la mèche bleue précédente que vous avez faite pour broder l'ombellifère et vous brodez un point lancé sur chaque pétale. Donc pareillement, vous... non, je crois que parfois j'en ai fait deux. Peut-être j'en ai fait deux, une fois vous en faites deux, une fois vous en faites un. Et vous sortez toujours l'aiguille à l'extérieur et vous repiquez vers le centre de la fleur. Et quand c'est fait, alors pareil, vous pouvez alterner. Donc vous voyez là, j'ai mis
j'ai utilisé une mèche et puis là j'ai utilisé l'autre mèche. Donc ça donne un effet qui est sympa. Donc n'hésitez pas à alterner les aiguillés. Et quand c'est fait, vous prenez soit un brin du coloris 309 ou alors un brin du coloris 3687 et vous faites un point d'arête isolé autour de chaque ou de quelques-uns des pétales. Pour faire ce point d'arête isolé, on sort l'aiguille au bord d'un pétale vers le centre. On repique en face. On guide le fil. On sort l'aiguille au sommet du pétale, la pointe de l'aiguille dans la boucle du fil. On ressort, on tire et on fixe le point avec un petit point d'arrêt. Et vous faites ça pour la plupart des pétales. C'est peut-être pas la peine de les entourer tous. Et pareil, vous pouvez changer de fil, prendre une fois le 309 et parfois le 3687, le rose le plus foncé. Ces petites fleurs blanches à 4 pétales, je vais les recouvrir avec le moulinet jaune pâle, le 676. Je vais utiliser le 309 pour faire des petits points de nœuds au centre. Et je vais cerner le tour avec le coloris 535. Vous allez prendre deux brins que vous mettrez en double du coloris 676 et on va faire des points lancés. Vous voyez, j'ai dessiné un point bleu au centre et je vais revenir piquer toujours dans ce point-là ou juste à côté. Donc, on sort l'aiguille sur le bord extérieur du pétale. Au milieu et puis ensuite on vient mettre des points une fois à droite, une fois à gauche, en repiquant toujours sensiblement dans le même trou, même si au bout d'un moment c'est plus possible. Et pour sortir l'aiguille, on suit le tracé imprimé. On sort l'aiguille au milieu. Une fois à droite, une fois à gauche. Lorsque les pétales sont terminés, on ajoute des petits points de nœuds. Donc un brin de moulinet 309 en double. On tourne une fois le fil autour de l'aiguille, on fait de tout petits points de nœuds. Une fois. Quatre points de nœud. Ensuite, on vient ombrer le tour avec un brin double de moulinet 535. Et là, je fais simplement des petits points lancés. Pas forcément des tours complets. Terminé. Alors, je trouve que ce bloc-ci est assez intéressant à analyser parce que lorsque j'ai eu fini de broder la rose principale, j'ai remarqué que, enfin, pour moi, il manquait du vert. Donc j'ai rajouté pas mal de petites feuilles au point de feuille. Et ici, j'ai rajouté une grande feuille composée de 6 ou 7 feuilles au point de feuille juxtaposées. Donc ça permet de rajouter une masse plus importante que lorsqu'on brode des petites feuilles isolées. Donc si en cas de besoin, c'est une technique intéressante. Donc
J'ai rajouté des petites feuilles et partout là où il n'y a pas de petits pointillés, c'est moi qui les ai redessinées et rebrodées ensuite. Le dessin original comporte une branche avec des petites fleurs roses que je n'avais pas envie de rebroder en l'état. J'ai donc décidé de les transformer. Alors à la place des petites fleurs roses, au feutre bleu, j'ai dessiné des cercles que j'ai remplis avec des points de nœuds au perlé 5 761. Ensuite, j'ai complété avec des petits points de nœuds avec le coloris 3854 et j'en ai encore rajouté quelques-uns avec le 3824. Et pour terminer, j'ai pris un brin en double du coloris 3688 et j'ai fait des petits points lancés, pas tout autour, mais enfin de côté pour ombrer le bord. Voilà pour les petites boules. L'imprimé comporte également ces petites fleurs avec des pétales beiges un peu tristounés en l'état. Donc, j'ai décidé de les transformer aussi. Le point de bouclette. On sort l'aiguille à la base du pétale. On forme une boucle. On ressort l'aiguille dans la boucle. On la forme. Et on l'attache en repiquant à l'extérieur de la boucle. Donc chaque pétale est recouvert d'un ou deux points de bouclette. Puis, vous allez prendre trois brins en double de moulinet 597. Vous pouvez également prendre deux brins de 597 et un brin de 932 pour varier. Et on va remplir les points de bouclette au point de poste. Donc, vous sortez l'aiguille à la pointe de votre point de bouclette. Vous repiquez à la base près du calice. Vous maintenez votre fil et vous ressortez l'aiguille juste là où vous étiez ressorti précédemment. Alors comme on brode, si vous brodez avec un tambour, le mieux c'est de tenir l'aiguille à la verticale en dessous, avec la main en dessous du tambour, et vous faites vos enroulés. Une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous poussez les enroulés et puis en faisant basculer l'aiguille, vous venez vérifier que la longueur des enroulés est aussi longue que votre point de bouclette. Donc là, ça me convient. Donc, je maintiens mes enroulés et je tire l'aiguille. Je tire doucement. Lorsque j'arrive au bout, je place mon ongle au niveau des enroulés et je continue de tirer. Et lorsque j'ai terminé de tirer, je repique là où j'étais sortie. Où j'avais repiqué plutôt précédemment. Et voilà, donc je recommence. Je sors l'aiguille à l'extrémité du point de bouclette. Je repique à la base. Je ressors l'aiguille là où j'étais sortie précédemment. Je maintiens l'aiguille verticale. Je fais une dizaine d'enroulés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais glisser, je pousse mes enroulés vers le tissu, je maintiens l'aiguille et je la tire. Donc pour les grosses fleurs, j'ai utiliser trois brins en double. Pour les fleurs plus petites, le principe est le même, simplement j'ai utilisé le perlé 8 bleu et j'ai rempli avec un brin en double de moulinet. Pour terminer, j'ai ajouté des petits points de nœuds au sommet des pétales avec un brin en double de moulinet orange 3854, celui-ci. Et
J'ai également brodé le calice avec le moulinet 734 et j'ai rajouté des petits points lancés avec le moulinet rose 309, un brin en double. Sur ce bloc, une autre façon de broder la petite fleur à 6 pétales. Donc j'ai fait le tour au point de feston avec un brin en double de moulinet 932. Au centre, j'ai fait un point de nœud et j'ai ajouté 10 points de poste, 5 avec le moulinet 535 et 5 avec le moulinet 734, un brin en double. Et pour terminer, il ne nous reste plus qu'à voir le point de tige de remplissage que j'ai utilisé pour différentes fleurs. Donc ici, il s'agit du liseron. Donc j'ai brodé des rangs successifs de points de tige avec le moulinet 3688. De temps en temps, j'ai fait un rang avec le moulinet 3824. Quand la petite corolle est terminée, j'ai rajouté des points de tige à cheval, pardon, des points lancés à cheval sur le calice et la corolle avec le moulinet 309. Et j'ai toujours utilisé un brin de moulinet en double. Pour broder le petit liseron épanoui, j'ai suivi l'imprimé et j'ai brodé 3-4 rangs de points de tige. J'ai fait des petits paquets en quelque sorte séparés. Et quand ces petits rangs étaient terminés, j'ai complété avec le point de poste au milieu. J'ai rajouté sur le bord un ou deux points lancés avec le moulinet 309 et encore des petits points lancés jaunes pour éclairer le tout. Alors ça c'est pour le liseron. J'ai également utilisé le point de tige de remplissage pour cette fleur-là. Donc je vous expliquerai comment faire. Donc là j'ai utilisé le moulinet bleu ciel 775. J'ai rajouté des petits points lancés avec le moulinet 932 et le cœur est fait avec le perlé 8445 et tout autour j'ai rajouté des points de nœud avec un brin de moulinet en double de jaune 742. Ici, toujours le point de tige de remplissage, le coloris 775, un brin en double. Ici, j'ai utilisé un brin de 932 avec un brin de 775. Donc, ça permet d'ombrer un peu la fleur. Et ensuite, j'ai rajouté des points lancés avec un brin seulement de moulinet 309. Donc, des points lancés. Le centre de la fleur, je l'ai fait avec des points de nœud avec le moulinet coloris 676. Et tout autour, j'ai fait des petits points de nœud avec le coloris 535. Et enfin, cette fleur-là, je l'ai faite avec le coloris 3854, un brin en double. Et ici, le coloris 3854 et 676, un brin de chaque. Le cœur, je l'ai également brodé avec le coloris 445 en perlé 8. Et j'ai rajouté quelques petits points de nœud avec le fil vert 734. Et pour finir, j'ai rajouté les petites moustaches. Un brin de moulinet 535. Et maintenant, je vais vous montrer comment ce point se travaille. C'est très facile. Lorsque cette fleur-là a été achevée, j'ai trouvé que le centre était un peu gros. J'ai donc décidé de redessiner le cœur sur mon bloc central et de redessiner également les pétales. Donc, vous pouvez faire pareil si vous avez envie. Ne vous gênez pas. Le point de tige se brode latéralement, donc placez bien le pétale, mettons couché face à vous, pour y arriver plus facilement. Donc vous sortez l'aiguille au bord du tracé, vous faites un premier point qui fait la moitié de la longueur de votre point. Puis vous ressortez l'aiguille à côté de là où vous étiez sorti précédemment. Vous allez sur le trait et vous ressortez l'aiguille juste devant le demi-point précédent. Et vous faites un point qui va aller jusqu'au cœur que vous avez éventuellement redessiné. Et ensuite, vous ressortez l'aiguille sur le tracé.
au bord extérieur du pétale. Et on refait de nouveau un demi-point pour démarrer. Donc on sort l'aiguille sur le tracé, on repique un peu plus loin et on ressort à nouveau l'aiguille sur le tracé. Ensuite, on fait un point qui est de la même longueur que le premier et on ressort l'aiguille juste devant le point où on avait repiqué précédemment. Et on fait de nouveau un point qui va jusqu'au cœur dessiné. Donc, en continuant comme ça, on double toujours le départ du point, ce qui nous permet de bien remplir le bord du pétale où on a beaucoup de choses à remplir. Et en le gardant, en ne doublant pas le dernier point, ça permet de gérer l'espace. Donc de nouveau un demi-point. Je ressors l'aiguille au bord du tracé. Et je fais un deuxième point pour prolonger. Et là, avec le point suivant, je ne vais pas jusqu'au cœur. Toujours pour gérer l'espace disponible ou à remplir. Un demi-point, je ressors l'aiguille sur le tracé. Et cette fois-ci, je vais me voiler jusqu'au centre. Vous faites des rangs successifs, faites-les denses et des rangs complets et incomplets. Le premier demi-point ne doit pas forcément toujours faire la même longueur, sinon vous allez vous retrouver avec des espèces de marques. Donc essayez de varier la longueur du premier point pour qu'il ne soit pas toujours au même niveau. C'est la même chose qu'avec le passé en piétant. Donc le principe des rangs au point de tige, des rangs bien denses, vous doublez toujours le départ du point, vous faites des rangs complets et incomplets, puisque vous n'aurez pas la place de faire pour des rangs complets, ici il n'y a pas tellement de place, donc vous alternez. Et je trouve que ça donne un résultat assez bluffant. Il pourrait presque passer pour du passé en piétant, sauf que évidemment on ne peut pas faire de dégradé de couleur. Et c'est pour ça que c'est intéressant de broder avec une mèche avec deux fils différents. Et voici le bloc central terminé avec les deux fleurs blanches recolorisées au point de tige de remplissage. Donc pour la petite fleur, j'ai utilisé le moulinet coloris 977. J'ai brodé le cœur avec le coton perlé 8445. J'ai ajouté un peu de gris et des points lancés avec le moulinet 309, un brin en double. Pour la fleur bleue, j'ai utilisé alternativement une aiguillée de bleu coloris 775, un brin en double, et une aiguillée avec un brin de 775 et un brin de 932. Donc ça permet d'ombrer les pétales. Le centre, je l'ai brodé avec le moulinet vert coloris 734. J'ai également ajouté de tout petits points lancés avec un brin de moulinet 3854. Donc c'est très léger. Voilà, donc quand vous avez terminé vos fleurs, il faudra repérer tous les fragments d'imprimé qui restent au bord de votre bloc. Donc ça va dépendre de comment à 1 ou 2 mm près vous avez coupé votre tissu. Donc vous les repérez tous et vous les recouvrez. Alors personnellement, en haut et à gauche du bloc, j'ai remis des petits pompons qu'on avait fait sur un des petits blocs de la bordure. Dans le bas, j'ai mis des petites fleurettes au coton perlé 5 avec le coloris corail. Après, bon, tous les coloris, tout ça, c'est
à votre guise, vous faites comme vous voulez. Ce qu'il faut faire, c'est broder des choses légères, hein, parce qu'on est à l'extérieur du bouquet, donc pour respecter l'équilibre, il ne faut pas mettre de grosses masses. Une autre astuce, c'est donc, moi je vous conseille de faire des photocopies de votre bloc et vous composez d'abord votre bouquet sur le papier. Vous dessinez des feuilles, des fleurs sur tous les fragments à cacher et puis vous placez les tiges de manière harmonieuse. Une bonne chose aussi, c'est de les coloriser parce qu'on se rend mieux compte des masses. Voilà, donc ça vous permettra d'explorer différentes possibilités et puis de terminer le bouquet à votre façon, d'avoir quelque chose de très personnel. Voilà, et donc quand ce bloc sera fini de broder, la partie 5 sera terminée. Et la prochaine fois, nous procéderons au montage de tous les éléments préparés jusqu'à maintenant.